Lui, c'est Octave. Octave est élève au lycée Malherbe. Chaque jour, il prend son vélo pour se rendre au lycée. Octave et sa famille ont adopté ce moyen de locomotion pratique, écologique et encouragé partout à Caen. Tracés sécurisés, abris et arceaux vélo, services divers, la ville favorise en effet la mobilité douce. En fonction de votre revenu annuel, la ville de Caen peut aussi vous aider pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, pliant ou cargo. 441 vélos à assistance électrique, 13 vélos cargo, 7 vélos pliants ont déjà été subventionnés. Autre solution offerte au Canet, le Vélolib. 220 vélos en libre service sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Boris, lui, a choisi de louer un vélo grâce au dispositif Vélolock. Vélolock, c'est 200 vélos classiques et 400 à assistance électrique en location longue durée. Aujourd'hui, Caen bénéficie de 113 km de pistes cyclables qui permettent aux cyclistes de multiples destinations et itinéraires. L'électrique, c'est une des énergies décarbonées promues par la ville qui s'est dotée de bornes électriques pour les voitures des particuliers, des navettes électriques. Côté sécurité, des zones 30 km/h ont été pensées par la ville. À terme, l'objectif est d'atteindre 80% de rues en zone apaisée. Cyclistes ou piétons, chacun dispose de ses espaces pour se déplacer à Caen. Julie, la petite sœur d'Octave, se déplace, elle, à pied. Elle emprunte quotidiennement un des 5 chemins des écoliers qui lui permet de rejoindre son groupe scolaire de façon sécurisée. Changer sa mobilité au quotidien est un geste significatif pour le climat. Caen s'engage pour le climat et la mobilité douce. Retrouvez toutes les actions menées par la ville de Caen en faveur du développement durable sur caen.fr.